بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, comment nous bénéficier avec nous les temps? C'est avec certaines salat nawafil. Parmi ben salat nawafil, surérogatoire, volontairement, qu'un musulman capable de faire tous les jours, c'est sunan ar-rawatib. Ben sunnah qui est attaché avec ben namaz faraz. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam le dit: Ma min muslimin, ma min abdin muslimin, yusalli lillahi kulla yawmin thintay asharata rak'atan tatawwu'an ghayra faridatin illa banallahu lahu baytan fil jannah. Pas il n'y a aucun esclave musulman qui tous les jours lui fait 12 rak'at. Il fait 12 rak'at volontairement pour Allah, autre qu'Ibn Faraz, autre que ben namaz obligatoire, excepté que Allah tabaraka wa ta'ala construit un lakaz pour lui dans Jannah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: Man salla fi yawmin wa laylatin thintay asharata rak'atan bunya lahu baytun fil Jannah. Celui qui, dans un jour et une nuit, lui fait 12 rak'at, en la maison, en la case, est construit pour lui dans Jannah. Arba'atan qabla dhuhri, 4 rakat avant namaz zuhar. Wa rak'atayn ba'daha, 10 rakat après lui. Wa rak'atayn ba'da al-maghrib, 10 rakat après maghrib. Wa rak'atayn ba'da al-isha'i, 10 rakat après salat al-isha'. وركعتين قبل صلاة الفجر دي ركعات avant namaz fajr. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam dit: deux rak'at sunnah fajr meilleur que sa dunya là avec tout ce qui est là-dedans. Ben frère et ben sœur qui a iman, sa dunya là nous connaît combien de qualités, richesses il est capable de posséder, il est capable de contenir concernant ce diamant, ce rubis, ce lot, ce pétrole, ce palais. Et pas pour capable d'inhumer tout sa ben richesse que sa dunya là a. Mais seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam fait nous comprendre que deux rakat surérogatoires, deux rakat sunnah fajr, nous pas cause concernant l'obligatoire, nous pas cause concernant sunnah. Ce qui est recommandé, les meilleurs qui s'adounent là et s'adounent là contenir. Alors, ben frère, ben soeur qui a iman, combien sunna fajr nous fin capable de rater dans nous la vie? Et c'est beaucoup bien fait qui fin aller dans nous la vie, ben frère, ben soeur qui a iman. Après avoir, qui nous peut comprendre, qui nous peut apprendre concernant valeur, vertu, des dirakats sunna fajr, alors qui nous met en pratique, qui nous pas rate sa salat là. Ben frère, ben soeur qui a iman, salat, sa deux rakat sunna fajr là, c'est lui qui fait une ratli et dit jama'a peut commencer. Alors qu'il fallait après namaz faraz. Ou bien quand le soleil finit lever, après 15 minutes, il est capable de remplacer ce deux rakat sunna fajr qu'il fait rater avant salat faraz la commencer. Alors ben frère et ben soeur qui a iman, ça montre nos vertus de sa deux rakat là qui nous met dans la vie de tous les jours. Rapporté par Abdullah ابن السائب لدي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح لمساجد الله عليه الصلاة وأتم التسليم تبقى في 4 ركعات صلاة après زوال avant صلاة الظهر. Et il peut dire, ça l'est là, ça c'est l'est pendant laquelle ben la porte, les ciels ouverts, et me content qui ça l'est là, une bonne action pour moi, il monte vers Allah subhanahu wa ta'ala.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam dit « Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haruma ala nari » C'est lui qui préserve 4 rakats avant Zohar et 4 rakats après Zohar. Allah fait différent, fait haram l'oli. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous profiter et préserve nous ben sunan al-rawatib. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.